Bad Karma, la première chanson enregistrée et le premier méga-hit de YUK, je vous le rappelle, est en concert ce soir au Centre Bel Air. Restez à l'écoute de Siki FM, la radio officielle de YU. Après la pause, on revient avec... Ah, ça va être cœur, hein? Mais, hein? Je vois qu'on a ici deux grands connaisseurs de musique. Oh, oui, YU, là, c'est mon groupe préféré. Je suis leur carrière depuis leur début. C'est leur fan numéro un. Elle connaît tous les petits détails de la vie du groupe. Elle peut même nous dire toutes les dates où le guitariste s'est coupé les ongles. C'est plate qu'on n'ait pas de billets, par exemple. Faut pas désespérer. À la fin de la journée, je vais donner deux billets pour le spectacle. Hein? À mes élèves les plus méritants. Oh. J'ai aucune chance. Je suis tellement poche en oral. Moi, je suis poche dans tout. Ouais, je donne pas les billets à ceux qui ont les meilleures notes, mais à ceux qui font le plus d'efforts et qui participent le plus. Vous avez donc des chances. Ah. Manolo, pourrais-tu passer me voir entre la deuxième et la troisième période? Oh oui. Penses-tu que c'est pour me donner un billet? Peut-être. Hey, verrais-tu ça si je gagnais? Est-ce que Richard donne deux billets par classe ou seulement deux billets pour tous ses groupes? Mais là, l'école n'a pas donné un budget de millionnaire, hein? C'est deux billets pour tous ses groupes. Ouais, ça donne pas trop de chance, ça. Moi, si je gagnais, je n'aurais pas qu'invité. Chloé ou toi? C'est pas évident de choisir entre sa blonde et son meilleur ami. Fritz, tu comprends vraiment rien. Richard donne pas une paire de billets à un élève, mais un billet à deux élèves différents. Je sais bien, là, je parlais pour parler. Finalement, c'est toi que j'amènerais parce que tu connais plus la musique que Chloé. Hey, toi, t'es vraiment un super chum. Ben... c'est sûr que je pourrais donner un billet à toi puis l'autre à Chloé, mais... je sais pas, moi aussi, je les adore, YU, puis ce serait bien plus fun qu'on va ça ensemble. Hey, c'est facile de donner des choses qu'on n'a pas, hein? De faire des promesses qui veulent rien dire. Moi... On a bien le droit de rêver? Ouais. Moi, je peux pas juste rêver. Je vais y aller avec Man. Tu dis n'importe quoi. Tous les billets sont vendus depuis longtemps. Ah, ouais? Mm-hmm. Ben, il y a toujours moyen de s'arranger. Show avec Patrice Pat Patnaud à Siki FM. Je suis actuellement à Dorval à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau et il y a des milliers de fans ici qui attendent l'arrivée de YU. L'atmosphère est incroyable. Écoutez-moi ça. Oh, on aurait dû sécher nos cours pour y aller. Ben oui, pour les voir pendant 10 secondes, descendre de l'avion puis embarquer dans une limousine. Pour une fille qui chante, on dirait pas que t'aimes la musique. Ben oui, j'aime ça. Mais c'est juste que je suis pas une grande fan de YU comme toi. C'est pas vraiment mon style. Alors, restez à l'écoute, chers amis. Je vais essayer d'avoir une entrevue, là, avec Sonny, le chanteur du groupe. Mais voyons, Sonny donne jamais d'entrevue le jour d'un concert. Tout le monde sait ça. Ben, moi, je savais pas. Ouais, mais toi, t'es pas animatrice de radio. Lui devrait savoir ça. Incroyable! Écoutez bien, mon patron m'apprend à l'instant que Siki FM, la radio officielle du concert de YU, va donner à nos auditeurs des paires de billets pour le spectacle de ce soir! Hé! Ça se peut pas! Il faut que j'en aille! Il faut que tu gagnes! Alors restez à l'écoute et je vais donner les paires de billets pendant la boîte à lunch électrique! C'est quoi, ça, la boîte à lunch électrique? C'est l'émission du midi. Ouais, s'il faut téléphoner, il va falloir beaucoup de 25 sous. Pourquoi? Ben, pour gagner des prix au téléphone, faut appeler sans arrêt. Ce qu'il nous faudrait, c'est un cellulaire. Mais fallait le dire avant. Ouais, on va le laisser finir son appel, puis faut surtout pas lui dire pourquoi on veut son téléphone. Madame, je viens juste d'appeler au Centre Bel Air, puis ils m'ont dit d'appeler à Billetron. Est-ce qu'il vous en reste des billets? Combien ils sont? Ouais, si cher que ça. Puis là, quoi, faut absolument passer les chercher. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est possible d'en réserver deux? Mais là, il faut absolument passer, là. Oh non, c'est beau, c'est correct. Oui. Merci, madame. Bye. Alexis? Nous prêtes-tu ton cellulaire? Pourquoi? On en a besoin. Puis on va te payer tes minutes. Hein. Est-ce que c'est pour appeler ton supposé chum, Fritz? Pourquoi venir l'appeler? Il est à l'école. Puis pourquoi tu dis supposé chum?
Ah, parce qu'il a dit que si jamais il y avait des billets pour YU, ben il irait avec Manolo, pas avec toi. Ah, il a dit ça. Ouais. Je te jure, tu demanderas à Manolo si tu me crois pas. Ah, ben c'est bizarre. Hein? Ouais. Bon, pis ton cellulaire, tu nous le prêtes ou pas? Fait que c'est beau, c'est plus clair comme ça. Bon, ben, bonne semaine. Ah, Manolo. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Est-ce que t'animes ton émission de radio ou t'es libre? Pourquoi il veut savoir ce que je fais ce midi? Il devrait me demander si je suis libre ce soir. Midi, je fais rien de spécial, pourquoi? J'ai corrigé ton examen sur l'accord des verbes des participes passés sur les pronominaux. T'as pas 60. Ça veut dire que je peux oublier le billet pour YU. Ce midi, je pourrais te donner un cours de rattrapage. Bof. Ben Manolo, tu devrais t'en faire plus que ça. Depuis un mois, tes notes baissent. Tes travaux sont un peu moins bons que ce à quoi tu m'avais habitué. Ça se peut. Ça a pas l'air de te déranger. C'est sûr que j'aimerais mieux être abolé puis savoir leur grammaire par cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si mes notes sont moins bonnes, elles sont moins bonnes. Ouais, mais je sais que t'es capable de faire mieux que ça. Si toi, ça t'inquiète pas, moi, ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, tout est correct. Manolo, je suis pas contre toi, là. Je suis de ton bord. Ouais. Je te demande si ça va parce que je te trouve moins concentré, un peu absent. Tu participes plus beaucoup à mes cours. Fait que, s'il y a quelque chose qui te préoccupe, tu peux me le dire. Non, là, y a rien de spécial qui se passe dans ma vie. OK. Puis, est-ce qu'on se voit ce midi pour un fantastique cours sur l'accord des passionnants participes passés des pronominaux? Je viens de passer mon examen, qu'est-ce que ça va donner? Une fois que tu vas savoir la règle, tu feras plus jamais de faute. Écoutez la boîte à lunch électrique avec Pat Patneau de Chiqui FM. Dans 45 minutes, les amis, je vais donner à un auditeur et une auditrice une paire de billets pour le méga concert de YU. Ça va être super dépénécœurant. Bougez pas, après la pause, on vient avec un super hit souvenir des années 70. Allô, Clopinette. Salut. Bon, ben, moi, je vais vous laisser, hein. Mais non, reste, tu déranges pas. J'allais lire tranquille à la bibliothèque. Je vais aller te rejoindre. OK, bye. Ciao! T'as un cellulaire? Tu m'avais pas dit ça? Depuis quand? Non, il est pas à moi. Ah. Mais c'était qui? Alexis. Il est fin de te le prêter. Ouais, Alexis est très gentil. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je sais pas. On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble? Non, j'ai pas le temps. Faut que j'écrive des articles pour un journal étudiant. Mais tu viens de dire que tu savais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais oui, mais c'est parce que j'ai pas pensé que j'avais ça à faire. Ça presse pas tes articles. Ton prochain numéro, c'est dans un mois. J'ai envie de prendre de l'avance. Qu'est-ce que t'as? Rien. Mais Chloé, y a pas rien. Je le vois bien là, que tu me fais la gueule. Tu veux savoir ce qu'il y a? Tu le sais pas. Ben moi, je le prends pas que tu dises que t'aimerais mieux aller au show de YU avec Manolo qu'avec moi. Hein? C'est quoi cette histoire-là? J'ai jamais dit ça. Essaie pas, Alexis m'a tout raconté. Ah, ça compte pas. On niaisait, puis on n'est pas pour se chicaner parce que j'ai dit « si j'avais des billets ». Faut pas s'en faire avec des « si ». Comment tu prendrais ça? Si je te dis que si c'était possible, j'aimerais mieux sortir avec Alexis. Qu'est-ce que tu veux dire « si c'était possible »? Si c'était possible. Quoi, tu veux-tu sortir avec lui? Tu vois bien que ça te dérange toi aussi, les si. Moi, c'est pas pareil. J'ai pas dit que je sortirais avec une autre fille. Tu mélanges tout. Moi? Je mélange tout? Ben... Parce que tu veux tout de suite que je suis épaisse, hein? J'ai jamais dit ça. Chloé! Hé, hey, Alexis! Qu'est-ce que tu fais ici? Viens-tu faire du rattrapage en français? Mais non, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais je me suis trompé de local. OK. Toi, c'est tes problèmes en français? Ouais, je viens de pocher un examen, là, mais ça me stresse pas. On n'a pas besoin de savoir comment accorder les participes passés pour faire de la musique.
ou pour aller voir un show. T'as les billets? Pas encore, mais quand j'ai dit que j'en aurais, c'est parce que je vais en avoir, man. Moi, je parle pas à travers mon chapeau comme frit de sauce. Ciao. À plus. Oh non, j'ai laissé ma grand-mère dans mon casier. Il y a 5 catégories de verbes pronominaux, les pronominaux réfléchis, les pronominaux non réfléchis. C'est comme moi. Les verbes essentiellement pronominaux, les pronominaux de sens passif, les pronominaux invariables. Okay. On dit qu'un verbe pronominal réfléchi quand l'action qu'il exprime a pour objet le sujet du verbe. Hein? A pour objet le sujet du verbe. Tant qu'à faire ça compliqué, pourquoi ils l'écrivent pas en suédois? Si je comprends rien, qu'est-ce que Richard va penser de moi? Manolo, on dirait que tu fais exprès de pas comprendre. C'est quoi ton problème? T'es trop cave pour penser? Hein? T'es quoi? Un moron, un deux de pique, une tête vide, un épais? Un corliboire de Saint-Simonèse, de bon de chaise, de... d'enfant de chalac, de canis, de toaster à palette, de... de... de nono! C'est-tu ça que t'es? Moi, je reste pas ici. Salut. Salut. Je suis content de te voir. Je suis venu te dire que... ben moi, dans la vie, là, je veux pas devenir un professeur de français, puis ça sera pas la fin du monde si je fais une faute ou deux en écrivant des courriels. Ouais, tu vas venir où, au juste? Les verbes pronominaux, ils vont s'accorder sans moi, là. Je suis pas une bonne en français, puis je le serai jamais. C'est certain qu'il y a des élèves qui ont plus de facilité que toi, mais la question est pas d'être fort ou faible. Là. La question est de savoir si tu veux t'améliorer en faisant des efforts. J'en fais des efforts. Ben oui, justement, c'est parce que je vois que t'as du cœur que je te demande d'en faire encore un peu plus. Hein, c'est pas le temps de lâcher, là. Je sais que t'es intelligent, puis que t'es capable. Tu sais pas si je suis intelligent. Ah, oh, puis j'ai pas la tête à étudier, là. Ça sert à rien que tu perdes ton temps avec moi. Salut. Ça sonnait, mais ça décrochait. Vous êtes toujours à l'écoute de Ciki FM. Et dans quelques instants, je vais donner la toute dernière paire de billets gratuits pour YU à la 99e personne qui vient d'appeler. Oui, allô, qui est là? Non, c'est pas vrai! Ah oui, c'est vrai. Tu sais à qui tu parles? Oui, oui, Patrice Patpatnon! C'est ça. Et toi, quel est ton nom, ma belle? Je sais pas, je suis trop énervée. Oui, Chloé, bonjour. Chloé, alors Chloé, dis-moi, aimes-tu YU? Oui, je les adore plus que tout au monde! Alors, ma belle Chloé, pour gagner la dernière paire de billets pour le concert, ben, tu dois répondre à une question facile. Je suis prête. OK. Chloé, dis-moi, quel est le titre de la première chanson que YU a enregistrée? La première chanson qu'ils ont enregistrée... Ben oui, c'est ça la question. Alors, Chloé, ta réponse est... Don't take my love away. Chloé. Non, je suis désolé, ma belle Chloé. La bonne réponse est Bad Karma. Mais meilleure chance la prochaine fois. La bonne nouvelle, chers amis, c'est qu'il me reste toujours une dernière paire de billets à donner. Restez donc à l'écoute. Mais Chloé, tout le monde le sait que la première chanson que YU a enregistrée, c'est Bad Karma. Même moi qui connais rien sur eux, je le savais. Oui, je sais, j'aurais dû t'écouter, mais j'étais trop énervée. Je suis pas chanceuse d'un concours, je gagne jamais rien. Ça y est, c'est fait. J'ai les billets. Non, c'est pas vrai. C'est des super bonnes places en plus. Ah ouais? Ah ben oui. Par terre, rangée AA, siège 11 et 13. Wow! Comment t'as fait pour les avoir? J'ai appelé chez Billetron, il leur en restait. Mais comment ça se fait que tu les as là, dans les mains? Ils sont pas venus te les livrer à l'école? Puis t'es pas allé les chercher au centre balade? Mais non. Non, c'est mon père qui est allé les chercher, puis il me les a laissés en revenant à l'école. Il travaillait pas cet après-midi. Ton père a fait ça pour toi? Ouais. Mais ça se peut, là. Tu connais pas son père.
Ça fait des mois qu'ils disent que tous les billets sont vendus. Comment ça se fait que toi, t'as pas en acheter aujourd'hui? Tu connais vraiment rien, hein? Après l'installation de la scène, s'ils se rendent compte qu'elle prend moins de place que prévu, ben ça leur permet de vendre plus de billets. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que la journée du spectacle, il y a toujours des billets en vente. Mmh. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Là, mon seul problème, c'est qu'il faut que je me trouve quelqu'un avec qui aller voir Wayou. C'est ça, je pourrais éviter mal, ça prouverait que c'est moi son meilleur ami. Ouais, mais t'as pas besoin de m'acheter avec un billet, là. Je le sais que t'es un super chum. Ou je pourrais inviter la personne qui est la fan numéro un de Wayou. Chloé. Chloé. Mais voyons donc, je suis bien plus fan qu'elle. C'est moi qui lui ai fait écouter Bad Karma pour la première fois. Dans ce temps-là, elle connaissait même pas ça, Wayou. Peut-être, mais elle les aime beaucoup plus que toi. Dis-moi, Fritz, ça te dérangerait si je sortais avec Chloé ce soir? Qu'est-ce que c'est de faire, là? Mettre la chicane entre moi puis Chloé? Moi? Non. J'essaie juste de faire plaisir à quelqu'un. C'est juste faire plaisir au monde, le clown. Pourquoi t'es allé lui dire que j'avais deux billets, j'amènerais Manolo? Hmm? Parce que c'est la vérité. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Oui, mais t'étais pas obligé d'aller lui répéter. Ah, ben oui. Mais comment on appelle ça déjà quelqu'un qui dit quelque chose qu'il faut pas répéter? Ça, non, c'est un nom. Oui, c'est ça. Un visage à deux faces. Hey, lâche-moi! Les gars, on reste calme! Tiens, on reste cool! C'est vrai que t'étais pas obligé de lui répéter, Alexis. À cause de lui, là, Chloé m'en veut. Elle veut plus me parler. C'est pas drôle. Fais-toi pas frisse, là, comme ça, Chloé. Elle a pogné l'air bien vite, mais elle se calme aussi vite. Tu penses? C'est sûr. Là, il va juste falloir que tu t'excuses. Moi? M'excuser? Jamais. Excuse-moi. Ah ouais? Ça a pas l'air bien vrai. Je te jure. Je le pense vraiment. Excuse-moi. On va y aller, on va être en retard. Pas grave, la prof de bio est vraiment cool, elle donne juste des avertissements. T'as pas quelque chose d'autre à me dire? Oui. T'avais raison de m'en vouloir. T'es la personne la plus importante pour moi. Puis je me sens tout croche quand on chicane. Je voudrais que ça revienne comme avant, que tu me pardonnes. Non, c'est très bien de pratiquer vos cours de biologie. Vous devez être fort en anatomie. C'est pas ça. Ah non, vous faisiez des travaux pratiques pour votre cours d'éthique et culture. Aimez votre prochain comme vous-même. Il faut qu'on y aille, on va être en retard. Ça n'a pas l'air urgent avant que j'arrive. Savez-vous où est Manolo? Non, non. T'as juste allé voir le secrétariat? On t'a le dit? Elle est-tu quelque part? T'as l'air pressé. Oui, à mon cours de maths. Tu sais que si tu te faisais prendre à manquer ton cours, tu pourrais perdre le privilège de faire la radio. Ouais, c'est pour ça que je vais y aller. Inquiète pas, je vais dire à ton prof que t'avais quelque chose de très important à régler avec moi. Ah ouais? Quoi? Est-ce que, par hasard, t'aurais ouvert mon porte-document et est-ce que, par magie, les billets de Wayou auraient sauté dans tes poches? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as plus tes billets? Ah, c'est ça, ils ont disparu. Est-ce que c'est un interrogatoire ou est-ce que tu m'accuses? Non, non, je fais juste vérifier. Si je t'interrogeais, ça serait bien pire. Eh bien, mon petit Manolo, on va te faire passer ce qu'on appelle dans le métier un détecteur de mensonges. Alors, Manolo, dis-moi, comment t'appelles-tu? Manolo? C'est bon, c'est la bonne réponse. Maintenant, mon petit Manolo, dis-moi, as-tu fait exprès de manquer ton cours de maths? Non. Tu mens! Maintenant, dis-moi, est-ce toi qui as volé mes billets de Wayou? Je te jure que je les ai pas pris tes billets, là. Comment tu peux passer ça? Comment? Je suis arrivé en classe, tu fouillais dans mon porte-document. Je les ai pas pris, je te jure, là. Je te ferais jamais ça, Richard. J'avais juste oublié ma grand-mère, puis j'ai emprunté la sienne. OK, je te crois. Mais avoue que ton comportement est étrange, les apparences sont contre toi. Tu viens pour le cours de rattrapage, tu changes d'idée à la dernière minute. Ah ouais, ça. J'ai essayé de lire la règle, mais je la comprends pas, là, je comprends rien.
Si tu savais toutes les règles de grammaire, t'aurais pas besoin de venir à l'école. Je suis pas là pour juger les élèves, je suis là pour les aider à apprendre. Ouais. Quand t'as 37% dans un examen, bon, ça change pas ce que je pense de toi, mais c'est sûr que comme prof, ça me déçoit parce que je sais que tu peux faire mieux. Quand tu travailles. Oh, mais j'avais étudié. Faut que tu travailles encore plus fort. L'important, c'est de pas lâcher, puis tu vas finir par voir de l'amélioration. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. On va aller au secrétariat pour leur dire que t'étais avec moi, puis je vais te faire faire ton rattrapage. OK, merci. Richard, je voulais te dire, là, pour les billets, j'avais pas besoin de prendre les tiens parce que je vais aller voir le spectacle avec Alexis. Il a trouvé deux super bonnes places en avant. Hey, man! Ça fait 15 minutes que je t'attends dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ah... Ouais, mais on voulait aller près de l'hôtel de Wayou pour leur faire signer des autographes. Ah, c'est une bonne idée. Puis, pour les billets, laissez-moi deviner les numéros. Par terre, rangée AA, siège 11 et 13. Et comment t'as fait pour deviner? C'est toi qui les as pris. Mais non, je les ai pas pris, vraiment. Hein. C'était juste un emprunt pour jouer un tour. Je les aurais remis, je te jure. Tiens. Alexis, conte-moi pas d'histoire. T'étais dehors, là, t'allais quitter l'école. T'es vraiment pas correct, Alexis Albo. Manolo a raison. Je suis vraiment déçu de toi. Tes parents et la directrice vont être mis au courant de ton emprunt. Puis, est-ce que t'aimes ça, la quête du Graal? Ah, ouais. Ben, c'était un petit peu compliqué à lire, là, mais l'histoire est tellement bonne. Oups, c'était trop occupé, je peux revenir une autre fois. Non, non, entre. Je voulais vous voir toutes les deux ensemble. Vous pouvez venir, les gars. Vous devinez pas pourquoi je voulais vous voir? Pour écrire un article dans le journal étudiant? Non. Non, parce que c'est à vous que je donne les billets pour le spectacle de Wayou. Ça se peut pas, mais pourquoi? Ben, en tant que responsable du journal, tu prends beaucoup de ton temps pour reviser et t'assurer que tout soit bien écrit. Hein. Ça prouve que t'aimes le français. Ah, je crois pas, je vais y aller, j'allais voir le show de Wayou! T'es trop génial, Richard! Puis moi aussi, c'est parce que je fais partie de l'équipe du journal. Oui, mais aussi parce que t'es une lectrice curieuse, puis ça, ça mérite une récompense. Ben, merci. Toi aussi, si tu continues à faire des efforts, tu vas être récompensé un jour. Oui, mais Wayou reviendra pas deux fois dans la même année. C'est vrai. Mais je trouverai bien quelque chose d'aussi trippant. T'as pas l'air super contente? Ah, oh, ouais, je suis contente, mais c'est juste que je suis pas une grande fan de Wayou. Est-ce que ça te dérangerait si je donnais mon billet à Manolo? Non. Hein? Tu ferais ça? T'es vraiment un ami? Tu trouves aussi, Chloé, tu pourrais faire comme Constance? Pourquoi je ferais ça? Le billet est à moi, c'est moi qui l'ai gagné. À part de ça, là, pourquoi je ferais ça après tout ce que tu m'as fait? Ben, je comprends que tu m'en veux encore. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, je t'ai pardonné, hein. Mais il n'y a aucune raison pour que je manque le spectacle de ma vie! Je vais avoir besoin d'une autorisation de vos parents. Hein? Oh, pas de problème. C'est sûr qu'ils vont vouloir. Chloé,